buñu naré dé buñu dé sinjam buñu naré dé ay buñu dé sinjam ñun buñu naré dé ay buñu dé sinjam Touba ya nga nan suñu mam ya Touba ya nga nan woy suñu mam ya ñun suñu mam ya Holal ma la jojo dafa daan bañ Holal ma al buri njaay dafa daan bañ Papa sumal ko jox neen nga publier ko le plus vite que possible de nga Jeune homme Buñu naré dé buñu dé sinjam buñu naré dé ay buñu dé sinjam Salam alaikum. Je m'appelle Papès. Étudiant journaliste en troisième année. Et si vous regardez cette vidéo, dites-vous que je ne suis plus de ce monde. Tout a commencé quand notre professeur nous a demandé. Bonjour, chers étudiants. Bon, vous vous êtes comporté bien durant l'examen. Maintenant, il vous reste la dernière épreuve qui est l'investigation. Une épreuve très importante par laquelle vous travaillerez en groupe de trois. Mais monsieur, c'est vous qui allez nous donner le sujet ou bien? Non, je vous laisse le soir de choisir le sujet qui vous conviendrait le mieux. Bon, d'ici là, portez-vous bien. On s'est retrouvé chez moi pour discuter du sujet à débattre. Ok, maintenant, vu que nous sommes au complet, bonne sujet à l'idée. Pourquoi pas, Paul Ismay? Le gars, il est devenu millionnaire, c'est Ken Bayo Tichel. En plus, il fait le buzz tout le temps. Donc, on peut essayer de savoir comment il dépense ses millions, mais aussi nakalé dundé ak famiyam nu def ak ci fi. Et pour conclure, lutax à chaque fois mo nan mom do fi lay waxal? Pourtant lolu halal la dé. Voilà. Waxi Paulis may mom buñu ko fi wax. Parce que fi nga koy jël traité ko nit ñi sax duñ la jël au sérieux. Ben bi stop mom sax wax na ni mom do fi lay waxal? Wa lolu tam deug la. Yaw mom pour yow sax halal rek bax quoi. Légui lan ngay proposer? Ela Diouf, il était deux fois Ballon d'Or et il nous a fait vivre des moments inoubliables. Rappelez-vous en 2002, quand il a marqué ce but, il a fait un petit terrain, c'est un peu comme une photo de Serigne Touba, le monde entier n'a plus vu. Mais Lori, très bien, il a fait mon reportage. Pourtant, Lori, c'est ça. Man, je trouve que ni Lori de l'actualité. En plus, prof, l'actualité, le bug. Nous avons eu un problème le soir, jusqu'à ce que... Chi, j'ai pas tenu qu'il y ait des affaires de son coïde. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Maintenant, on va aller voter. Bon, je suis pour. Je suis contre. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Man, je ne peux pas choisir. Tu sais quoi? Si tu veux que tu te dises sur les jours, tu vas prendre des risques. Mieux vaut que tu te dises. Mais maintenant, je vote pour. Bon. Comme tu as gagné, je vais obliger à te dire. Non. Nous ne voulons pas que tu te dises pour gagner. Nous voulons que tu te dises pour l'aide. Et nous faisons la force. Après, nous avons commencé notre investigation, comme tout journaliste d'investigation. Pour la troisième journée consécutive, Dakar a été le théâtre de violences et d'affrontements. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Mon ami Ahmed, man, ak Adi, ak Sonko, ak Yalla. Man, ak Ahmed, Yalla, avec Tach. Si mon don faral, Adi l'aï faral. Mais. Waïe dal, li chèw dal, man sak d'ayir li. Quand je suis police, il a fait des délais. Quand je suis venu à 21h, pile Sonko est venu à la maison. Mais Sonko est venu à la maison, 22h est venu à la maison. Pour mon explication, je n'ai pas fait des salaires parce que je me suis dit. Mais lui aussi, si on a un état avec quelqu'un, ou qui porte plainte, qui a été initié la procédure, c'est l'état. Procureur,
plainte contre Ousmane Sonko. Lolu tay moy principe suñu xex parce que dañu bëgg éliminer ben parti ci askan wi nga xamanteni ni ramper nañ ba bëgg yegg en certain niveau bokku fiñuy décider bokku ci ñi nga xam ñoy nasak no ci biir réew mi ñu leen yeen doona ci bokku parce que duñu ay libéral duñu ay socialiste duñu ay communiste lolu nak lañu nek dinañ ko xex ba suñu dernière énergie lepp nga nan ñi ñaan ngir yalla bu dé ci procès la nara jëm ay way présence Adji Sarr nañ ci dimbali ba fekk ko ci jamm ak sama d'accord légui lolu ñepp ngoy ñaan sécurité Adji Sarr mi ngi seeni loxo ñom ñiko téy. Après des heures de recherche, nous avons trouvé rien de nouveau. Et cela me mettait en colère. Papi, lo hayo. Depuis lors, ñoy nek di lire, relire, écouter, réécouter. Moko def, defuko, violer nako, violer wuko, complot wala du complot, dekk bi na tak wala du tak. Et alors? Et si tout ça n'était qu'un simple leurre? Develop. Je sais que les avocats, la presse, la société civile, la population, l'opposition, personne ne sait ce qu'il y a. Et personne ne sait dans la salle de massage au moment des faits. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que nous puissions parler de ce qu'il y a? Non, ce n'est pas ça. Mais j'espère qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Écoute, papi, tous ces gens qui apparaissent, ils ont des informations. D'ailleurs, nous avons épié tous les articles écrits par la presse, voire même la conférence de presse d'Ousmane Sonko. Pape a interviewé la propriété du salon de beauté. Ahmed Aïdara qui a fait plus de 250 km pour interviewer la deuxième masseuse. Et n'oublie pas les procès-verbaux qui ont fuité. Alors dis-nous, qu'est-ce qui nous a échappé? N'est-ce pas, il était trois. Mais c'est seulement Sonko qui a parlé à l'image de découvert devant les caméras. Et il y a une autre chose, c'est qu'elle ne nous a pas dit de filmer. Moi, je veux qu'on voit le terrain. Même si il y a une autre chose, pour essayer d'avoir des vidéos à voir. Bonne idée. Même si c'est un peu risqué, comment on s'y prend? Vous avez réussi à découvrir où était cassé Adji Sarr. Mais malheureusement... Ça fait une demi-heure que j'ai le journal de lire les rues. Mais le journal que j'ai fait du temps. Et je ne pense pas qu'il est assez bête de lire le journal de Ndjouta. La meilleure façon de le découvrir, c'est d'aller le voir. Le gars s'est enfui. J'ai pas pu l'identifier, mais il a l'air suspect. Nous devons déplacer l'agneau. Je répète, nous devons déplacer l'agneau. Affirmatif. Bonjour madame. Bonjour. À qui est l'honneur? Mademoiselle Diop, la journaliste.
Mademoiselle Diop, que puis-je faire pour vous? J'avais rendez-vous avec Monsieur Sonko. Monsieur Sonko. Mm-hmm. Ok. Veuillez me présenter votre carte, s'il vous plaît. Vous pouvez passer en interface, je vous annonce. D'accord. Ici Tigre. Demande de vérification d'une journaliste sous le nom de Kumba. Merci, madame. Veuillez patienter dans la salle de temps, M. Sonko va vous recevoir. Merci. Nous avons de nouveau contacté la deuxième masseuse qui était avec Alissa au moment des faits. Mais ce que nous ne savions pas est que nous n'étions pas seuls. Vous savez, nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un qui parle de nous, c'est moi, Alissa et Alissa. Alissa, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Pour nous dire, nous avons pris notre téléphone, nous filmer, nous avons dit tout ce que nous savons. Pour que nous avons fait une bonne fois pour toutes. Ce que nous avons fait, il faut que nous avons fait correct. Parce que si je n'ai pas besoin d'un bâton de sirop, je vais sortir et je vais dire que c'est le plus important. Si je suis venu à la salle... Parle, papi, demain. Non, je ne veux pas y aller sans toi. Nous, madame. Papi, Issambi, il faut que tu ailles. Tu sais, je suis là depuis le commencement de l'année. Quand tu es là, madame. C'est vrai, il faut que tu ailles. Non, je ne peux pas. Papi, demain, s'il te plaît, demain. La vérité finira par t'énoncer. Dans ce cas, yow doko fekke. J'ai reçu un message avec des informations que je voudrais partager avec vous. Cher professeur, le temps m'est compté, alors je vais essayer de faire vite avant qu'il ne me rattrape. Nous n'avons pas pu finir notre exposé, mais nous avons quand même établi une conclusion, que dans ce projet, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Si Ousmane Sonko est déclaré non coupable, certains diront que l'État a eu peur d'un possible soulèvement public, vu que Macky Sall Moff Togoni a des dossiers qui savent ce que l'on peut faire dans le monde. Mu tek ci loxam ngir jamm am mais n'empêche certains continueront à dire que Ousmane Sonko est coupable du viol qui lui a été accusé par Alissa. Si Ousmane Sonko est déclaré coupable, certains diront ceci n'est qu'un simple complot mis en place par l'État vu que les procès-verbaux ont montré le contraire. Mais s'il persiste à vouloir l'emprisonner, cela pourrait plonger le pays dans un chaos total. Vu qu'il a la jeunesse avec lui,
et que certains continueront à clamer son innocence. Donc, nous en déduisons que dans ce procès, il n'y aura ni innocent, ni coupable. Et pendant ce temps, la déclaration patrimoniale de Idrissa Seck qui s'élève à des milliards, personne n'en parle. Pendant ce temps, les vaccins qui sont arrivés dans ce pays, le comment, personne n'en parle. Pendant ce temps, le comportement de certains députés à l'Assemblée nationale, personne n'en parle. Pendant ce temps, la liberté d'expression, la liberté de prise de position par rapport à la situation actuelle du pays, personne n'en parle. Pendant ce temps, ce couvre-feu répétitif qui concerne que deux raisons, personne n'en parle. Pendant ce temps, des gens se font torturer, arrêter, malmener, humilier. Personne n'en parle. Pendant ce temps, qu'est-ce qui est devenu notre Sénégal? Personne n'en parle. On tenait à vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté durant notre cursus scolaire, durant ces 3 années. Sans vous, on n'aurait jamais pu faire quelque chose de si courageux de notre vie. En effet, votre pédagogie et votre patience ont rendu vos cours passionnants. Vous avez toujours su rester à notre écoute. Et votre soutien permanent m'a été réellement précieux. Grâce à vous, j'ai pu progresser dans le domaine journalistique. Pour ceci, on vous suit sincèrement reconnaissant. Adieu, cher professeur.